Ce mercredi 4 décembre, Laetitia Hallyday a atterri à l'aéroport de Saint-Barthélemy avec ses filles Jade et Joy pour passer la fin de l'année au soleil. Elles seront peut-être rejointes par son nouveau compagnon, Pascal Balanpoint. Laetitia Hallyday et ses filles Jade et Joy passeront Noël dans leur villa de Saint-Barthélemy. Elles sont parties toutes les trois en direction de Lille pour retrouver un peu de chaleur et se ressourcer après avoir séjourné un moment à Paris, à l'occasion de l'hommage à Johnny Hallyday organisé ce dimanche 1er décembre à l'Olympia. Elles arrivent peu de temps avant le deuxième anniversaire de la mort du taulier afin de se recueillir sur sa tombe. Jade, Joey et leur mère ont été accueillis à leur descente d'avion par Liliane Joshua, amie de Laetitia, et le fils de celle-ci, Gabriel. La compagne de Pascal Balanpoint est descendue tout sourire de l'avion, heureuse de retrouver l'île qu'elle aime tant ainsi que ses proches. Mais son bonheur ne sera pas complet tant que son nouvel amour ne sera pas auprès d'elle. Le couple, qui a profité de quelques jours ensemble à Paris, pourrait se retrouver à Saint-Barthélemy, où il s'est rencontré l'été dernier. Le restaurateur de 48 ans, propriétaire de trois établissements parisiens, viendra peut-être la rejoindre avec ses trois enfants. De quoi passer les fêtes dans une ambiance familiale qui avait manqué à Laetitia et à ses filles depuis 2 ans.